let's discuss. We march upon it, no matter. People no problem, see what they got in the region for quite. Ce matin, est-ce que je peux entendre Amen ta gueule? Est-ce que je peux voir les gens qui sont fous de Christ ce matin? Pose-toi de même. Peu importe ce qui m'arrive, tout en tout pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez, c'est que vous aimez Dieu. Je ne me plains jamais. Envers Dieu, je ne me plains pas. J'ai le courage, j'avance. Est-ce que vous croyez? Vous allez avancer. Il ne recule pas. Et toi aussi, tu ne reculeras jamais. Si tu le suis, tu iras de victoire en victoire, en victoire, en victoire, en victoire, en victoire. Que le Seigneur dise Amen. Que le Seigneur dise Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Église. Bonne main à grâce au Seigneur pour le soir. Que Dieu vous bénisse. Anime le cours, vous êtes gâtés. Parce que ça fait 3 semaines, je ne serai pas d'ici. Quand je fais mon programme, Dieu change. Ce matin, Dieu a changé, je suis là. Glory to God. Dimanche prochain, je suis obligé d'être là parce que j'ai un mariage. Est-ce que vous croyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, je crois que Dieu est avec vous. Et le mercredi dernier, amen, l'inspiration est descendue. Il y a une telle présence ici. My God. Que je crois que vous ne serez plus jamais les mêmes personnes. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Dieu n'est pas le Dieu du temps. Mais le Dieu de l'éternité. Avant de venir dans le temps. Que le Seigneur soit béni. Moi je crois que quelque chose de l'éternité est entré en toi. Que quelqu'un dise Amen. Satan ne peut pas enlever ça. Cette lumière t'appartient. Elle va briller. Ne laisse pas Satan l'éteindre. Elle va briller. Et ça va éclairer les nations. Parce que vous êtes la gloire de la terre. Alléluia. Si vous quittez la terre, Dieu n'a plus rien à faire sur la terre. Pourquoi Dieu ne détruit pas la terre? Pourquoi Dieu ne détruit pas la terre? Ça fait de toi que Dieu ne détruit pas encore la terre. Alléluia. Quand les abominations sont sur la terre, Dieu ne peut plus les supporter. Mais ici encore, il y a ses fils sur la terre. Il y a ses fils sur la terre. Dieu ne peut pas détruire la terre avant que vous ne puissiez partir. Et après, je déclare le rien enlèvement. À cause de vous, Dieu est patient. Dieu est patient. Vous êtes la patience de Dieu. Vous êtes l'amour de Dieu. Que le Seigneur dise Amen. My God. Est-ce que vous vous sentez bien? Combien ont apprécié la réunion du mercredi? Praise God. Alléluia. Il faut des canaux d'expression pour que Dieu se déverse. Et je crois que ce matin, Dieu doit se déverser. Alléluia. Ce matin, le Dieu historique, le Dieu de l'histoire, on nous a présenté Jésus comme un Dieu historique. Il l'avait fait, il l'avait dit, il l'avait fait. Mais je déclare ce matin que Dieu doit sortir de l'histoire pour se présenter à son peuple. My God. Alléluia. Quel est ce Dieu historique? Alléluia. Ce grand Jéhovah, ce grand Elohim. Amen. Il nous a été dit que personne ne peut le voir. C'est ce que les gens nous ont dit. Mais nous avons vu dans la Bible que Jésus a dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Nous avons vu dans la Bible que Moïse a dit, j'ai vu son dos comme le dos d'un homme. Où est ce Dieu Elohim? Où est ce Dieu Elohim? C'est que vous croyez, vient à vous. Si vous croyez qu'on ne peut pas le voir, vous ne le verrez jamais. Mais ce matin, vous croyez que vous pouvez le voir. Si vous croyez, avant de sortir d'ici, dites Amen quelqu'un. Je ne parle pas de demain. Je dis avant de sortir d'ici. Quelqu'un va le voir. Parce qu'il veut se présenter à son peuple. Dans les derniers temps, ceux qui connaîtront le Dieu feront des exploits. C'est ce que dit la Bible. Vous allez le connaître. Vous allez le connaître. Chat. Que Dieu vous bénisse. Shalom béni, que la paix soit avec vous. La
La chose la plus glorieuse qu'on peut dire à son frère, c'est que Dieu te bénisse. Amen. Donc je commence par un shalom. Amen. Shalom frère. Amen. Shalom soeur. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous portez bien? Amen. L'enlèvement va surprendre le monde. Amen. Mais vous ne serez pas surpris. Amen. Comme dirait quelqu'un, c'est le contraire qui va me surprendre. Yes, sir. Parce qu'avant d'être enlevé, il faut se préparer. Yes, sir. L'enlèvement, c'est pas un jour comme ça que tu t'en vas. Amen. Vous êtes en train de vous préparer. Amen. Quitter la terre. Amen. Qu'est-ce qu'un voyage? Amen. Qu'un voyage est plus comme ça, c'est quand t'as surpris. Tu t'es pas préparé. Yes. Ça, ce n'est pas un enlèvement. Amen. Mais est-ce qu'un voyage? Yes. Un voyage, on se prépare. Amen. On prépare ses vêtements. Alright. Si je dois aller en France. Yes. En temps de neige, je prépare ma valise. Je prends des habits. Tu peux me permettre de résister là-bas. C'est ça mon voyage. Je vais à l'ambassade. Je prends mes autorisations, mon visa. Je paye mon billet d'avion. Je constitue mes dossiers. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Préparer mon voyage. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors l'ambassade doit mettre un OK sur tous mes papiers. Quand l'ambassade met un OK, aucune compagnie. Aucune compagnie ne peut me refuser le voyage. Parce que l'ambassade a décidé. Aucun avion ne peut m'arrêter. Que le Seigneur les amène. Est-ce que vous le croyez? Pour ce matin, c'est un déjà l'étiquette pour le ciel. Parce que Dieu a mis un cachet sur le voile de la cœur. Le cachet est collé. Aucun démon de l'enfer ne peut t'empêcher d'aller au ciel. On n'obtient pas l'étiquette au ciel. L'étiquette ne sortit pas au ciel. L'étiquette sortit sur la terre. Quand tu es à l'école là-bas, quand tu es au marché là-bas, quand tu es au travail, tu as déjà ton ticket. Tu as déjà ton ticket. My God. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? C'est le Saint-Esprit. Tu es obligé d'aller au ciel. Je déclare ce matin, dans ce bâtiment, certaines personnes sont obligées. Ils sont obligés d'aller au ciel. Vous êtes obligé d'aller au ciel. Parce que la chose est déjà signée. Même si tu te retournes dans le monde. Hey! C'est pas un homme qui garde les gens. Hein. C'est pas le pasteur qui garde l'église. Hein. C'est lui qui garde l'église. Yes! Même si tu retournes dans le monde, tu as déjà écouté quelque chose qui est là. Hey, il peut arriver un temps. Mais après, déjà écoutez-moi. Il peut arriver un temps où la soeur est fatiguée. Le père est fatigué. Il demande à Dieu, il ne voit rien. Quelqu'un dit amen. Et puis Satan le décourage un peu. Et puis il retourne dans le monde. Il fait comme le monde. C'est pas qu'il a perdu, hein. Il va revenir. Parce que quelque chose en lui l'attire. Il a déjà entendu la parole de vérité. Il est déjà venu à l'Assemblée de l'Est. Il a écouté la puissance. Il a vu Dieu se manifester. Mais arrivé un temps de sa vie. Arrivé un temps de sa vie. Il est découragé un peu. Il est découragé un peu. Le mouvement de la vie. La chair le fatigue. Il dit affaire de Dieu, je laisse même. Il jette sa Bible. Mais tu as jeté la Bible, mais tu n'as pas jeté la parole. Est-ce que quelqu'un peut donner un amen? Je peux donner un amen. Est-ce qu'on peut dire amen quelqu'un? Alléluia. Oh non, j'ai demandé. Dieu ne me donne pas. Non, je jette la Bible. Et il se fâche. Il change de manière de s'habiller. Il retourne dans le monde. Mais arrivé dans le monde là-bas. Arrivé dans le monde là-bas. C'est pas sa nature. C'est pas la vie qui est en lui. Il s'efforce. Il n'arrive pas. Il s'efforce. Il n'arrive pas. Un matin. Il dit en lui-même. Je dois retourner à la maison de mon père. Que le Seigneur dise amen. Si Dieu t'a trouvé. Si Dieu t'a trouvé, il ne peut plus te perdre. Il ne peut plus te perdre. Tu peux aller où tu veux. Tu peux faire ce que tu veux. Que le Seigneur dise amen. Mais il y a de chercher. Oh my God. Est-ce que vous croyez? L'homme prodigue, le jeune homme prodigue, a pris les biens de son père. Il a dilapidé tout. Il dit non, je vais quitter la maison. Je suis autonome et dépendant. Quelle est cette affaire de papa, papa? Mais le père est serein. Parce que le père sait que le sang qui est dans ses veines sont dans les veines du petit. Là. Il va partir jusqu'à. Mais il reviendra ici. Glory. Est-ce que vous
Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Vous n'allez jamais vous perdre. Vous n'allez jamais vous perdre. Parce que votre Père tient le monde dans sa main. Tu vas te perdre où? Tu vas te perdre où? Tu peux te tromper de chemin. Tu peux te tromper de chemin, mais tu ne peux pas te perdre. Comment tu vas te perdre? Il te surveille. Il te surveille. Depuis que tu as conçu dans le sein de ta main là-bas, il te garde. Il te surveille. Que le Seigneur dise amen. Ta maman a pris ta grossesse. Elle a pris ta grossesse en mariage. Elle voulait t'avorter. Elle a pris tous les médicaments possibles. Mais tu es vivant. Tu es collé là. Alléluia. Elle est partie sur le plus grand chirurgien de la ville. Elle dit, je vais me faire avorter. Il dit, c'est un petit problème. Je sais quel cordon coupé. Et l'enfant meurt. Il finit le travail. Il dit, l'enfant est mort. Elle dit, d'accord. Qu'elle va à la maison. Qu'elle va. Quelque chose en elle bouge. Qu'est-ce que c'est? Je te garde depuis le ventre de ta maman. Au testament de l'enfer. Hey. Est-ce que vous comprenez ça? Quand Dieu a un but pour vous sur la terre, avant de sortir du sein de votre mère, le but est écrit en vous. C'est en vous là. Elle va faire tout ce qu'elle peut, mais elle ne peut pas vous éliminer. Si elle est trop fâchée, elle attend que vous vous merciez et puis vous jette dans une poubelle. Mais là, vous avez tout arrangé. Parce que c'est là même que les fils de Dieu commencent à grandir. Quand on les jette là, c'est là qu'ils commencent à être forts. Donc depuis ton bas âge, tu commences à être fort. Que le Saint soit béni. Que quelqu'un soit béni. Que quelqu'un dise amen. Avant qu'elle ne jette l'enfant dans la poubelle là, tu as déjà envoyé une femme là-bas. Tu dois passer à côté à une heure précise. Que le Saint dise amen. Alléluia. Tout le monde passe à côté de la poubelle. Mais tout le monde ne remarque pas ta présence. Ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas eux qui ont été destinés à t'éduquer. Mais tu as préparé une femme spéciale. Alléluia. Alléluia. Peut-être que ce jour-là, elle n'a même pas prévu passer à côté de cette poubelle. Hein. Mais ce jour-là, elle est pressée par cela. Tout le monde est passé là. Personne n'a entendu le petit bruit. Mais qu'elle passe par là. Elle attend. Que le Saint dise amen. Que le Saint dise amen. Même vos parents, ne peuvent pas arrêter le processus de Dieu pour vous. Que le Saint dise amen. Aucun homme sur la terre ne peut arrêter le processus de Dieu pour vous. Est-ce que je peux ajouter quelque chose qui peut vous secouer un peu? Même Dieu lui-même, my God, même Dieu lui-même, dites amen quelqu'un, même Dieu lui-même ne peut pas changer le processus. My God. Quand il a déjà pensé la chose, qu'il a commencé à mettre la chose en route, peu importe ce qui arrive sur le chemin, lui-même ne peut pas changer sa décision. Il ne peut pas. S'il change, on doit le juger. On va le mettre là, on va le juger. Oh, Dieu ne sera jamais jugé. Ce qu'il a dit, il a accompli. Ce n'est pas toi qui a dit. Ce n'est pas ton père qui a dit. Ce n'est pas ta mère qui a dit. C'est Dieu qui a dit. Quand Dieu dit, il ne change pas sa parole. Que le Saint dise amen. L'amour qu'il a pour vous, on ne peut pas mesurer. Jamais. Est-ce qu'on peut mesurer ça? Comment il quitte sa gloire pour aller vous chercher? Alléluia. Vendredi, j'étais en voiture allant chercher ma femme à Abidjan. J'ai appelé Pasteur Claude. Il dit, mais où tu vas? Il dit, oui, comme Christ est venu nous chercher. Moi aussi, je suis un Christ pour mon épouse. Je vais la chercher. En ce même moment, tous les démons de l'enfer ont été vaincus. Parce que quand Christ descend du ciel pour réclamer son épouse, qui peut dire un mot? Il descend dans le chapitre 10. Il crie d'une voix forte, une possession légale. C'est ma chose, libérer cela. Est-ce que vous pouvez dire amen quelqu'un? Vous ne serez jamais perdu. Hey! Quand Adam a péché dans le jardin d'Éden, il a fui. Vas-y, c'est caché. Mais Dieu connaît l'amour qu'il a pour lui. Dieu pourrait dire, bon, c'est bon, je vais créer un autre homme, mais Dieu ne peut pas. Il est obligé de le chercher. Adam, Adam, où es-tu? Adam, Adam, où es-tu? Il dit, je me suis caché.
J'attendais d'avoir eu peur de toi, moi il me cache. As-tu mangé le fruit de vendredi? C'est la femme. Femme, pourquoi elle ne sait pas? La seule personne qui a été transformée de Jésus, ça ne sait pas. Mais Dieu lui-même est descendu. Il a pris un agneau. Tué l'agneau. Pris le vêtement de l'agneau. Le peau de la brebis. Il a vêtu Adam et Ève. Alléluia. Que quelqu'un dise amen. Il ne peut pas le détruire. Parce que c'est une partie de lui. Il dit, moi, je vous chasse du jardin. Je vous chasse du jardin. Parce que vous avez fait cela. Mais je déclare ce matin que si vous allez au ciel, la première personne que vous allez voir, c'est Adam et Ève. La profondeur de l'amour de Dieu. Qui peut arrêter ça? Adam lui-même sait que Dieu l'aime. Et l'amour de Dieu est dans Adam. Donc Paul a la révélation. Paul dit, ce n'est pas l'homme qui était séduit. C'est la femme qui séduita, s'est rendue coupable. Donc il y avait un seul coupable dans le jardin d'Éden. C'était la femme. Mais quand Adam l'a regardé, si Dieu l'a détruit, je deviens quoi? Elle m'a trompé avec le serpent. Elle a mangé le fruit interdit. Mais je suis son mari. Je dois la protéger. Si Dieu l'a détruit, il doit me détruire aussi. Parce que nous allons manger ça ensemble. Et nous allons aller devant le trône de jugement. Comment un homme peut-il garder sa femme de cette manière? C'est que l'amour de Dieu est profond dans son cœur. Deep, deep, very deep. Very deep in my heart. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Combattez pour ce que vous aimez. Est-ce que j'ai pu entendre un amen? Est-ce que je peux répéter ça? Combattez pour ce que vous aimez. Combattez pour votre mari. Combattez pour votre épouse. Combattez pour vos enfants. Combattez pour vos frères. Jusqu'à en mourir. Que le Saint dise amen. C'est le preuve que vous êtes un fils du royaume. Que le Saint dise amen. Donnez-moi la conversation, Seigneur Dieu. Je suis content quand je suis devant vous. J'ai l'impression d'être au ciel. Dans le royaume de sa présence. Là-bas, on ne sortira plus de son royaume. Là-bas, il ne fait pas chaud. Il ne fait pas froid. On n'a pas faim. Amen. On n'est pas dans l'obscurité. L'agneau est la lumière. Après, nous nous préparons pour y aller. Ce matin, nous allons donner le processus de préparation pour aller dans le royaume éternel. Alléluia. Dimanche prochain, on a mariage ici. Donc, nous sommes encore là. Sœur Sylvie, je l'ai appelée hier avec son bien-aimé, chéri à l'aisant. Ils sont en plein dans la... Les derniers coulisses de préparatifs. En train de bouger par là. Elle a tellement fait le coup que sa tension a baissé. Elle veut tomber un peu. On dit, calme-toi un peu. Hein. Attention, prends du repos. On leur donne un repos. Amen. Yes. Alléluia. Sa patronne dit, prends du repos. Faut te marier en bonne santé. Faut qu'on dise que c'est moi. Non, tu m'as se repose. All right. Mais est-ce qu'elle peut se reposer? Quand elle sait que ça n'est pas fait, ça n'est pas fait, elle peut se reposer. Amen. Mais Dieu va la garder. Glory. Que non, c'est oh my God. Alléluia. Yes. Nous serons là, je crois que son papa va préparer un convoi. Donc vous serez les gens qui doivent le recevoir. Mm-hmm. Que Dieu bénisse. Je crois que frère Raymond Thompson est ici. Amen. Amen. Frère, Hector Abidjan, déjà lui, il est là déjà. Les autres viennent mercredi, mais lui, il est déjà là. Amen. Il veut voir quand ça commence, quand ça termine. Oh, yes, bénisse. Sir. Alléluia. Donc les autres viendront en cours de semaine, mercredi, jeudi, peut-être mardi aussi, jusqu'à samedi, nous aurons de bons moments. Oh, yes. Souvenez-vous que Dieu a un programme tracé pour chacun. Amen. Que ça se passe bien ou bien que ça se passe mal, selon les hommes, c'est bien passé. Oh, all right. C'est Dieu qui a fait son projet. Tout. Nous, ce qu'on peut faire entre les hommes, c'est de conseiller. Amen. Et d'aider à ce que ça soit parfait. Amen. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Yes, sir. Donc, nous croyons que ça va réussir. Amen. Son papa est chaud. Il va louer qu'on voit. Vous venez ici. Amen. Yes. Alors, vous connaissez l'histoire de Sylvie. Elle avait des problèmes avec son père depuis longtemps. Amen. Des problèmes. On a commencé à prier pour cela pendant près de 10 ans, 15 ans. On a parlé. Un jour, je lui ai dit, va au village. Va causer ton père, on ne sait jamais. Il est allé causer son père, la conscience a changé. Amen. Papa l'a accueilli. Amen. Amen. Et il en présente, il dit, voici ma fille. Eh, hey, c'est ma fille. Hein. Amen. Elle-même, elle est étonnée. C'est Dieu qui préparait le cœur du vieux père. Nous sommes allés à Abidjan pour présenter son fiancé, le papa était ici. Mais j'ai dit, non, mais vous allez au village. Parce que vous me bombardez. Oh. Son père s'amuse pas, hein?
mais ils ne savent pas que Dieu a déjà fait le travail. C'est tout, Pam. C'est le secret. Le mystère que Dieu a caché. Yes. Quand frère Henri et frère Roger, les autres sont arrivés là-bas, le papa m'est tellement content, il les a bien reçus. Amen. Et même on dirait qu'ils sont repartis encore là-bas. Quand on a fait la dot, c'était wonderful. Amen, amen. Nous serons au mariage le samedi amen. Prochain. Amen. Yes. Aucun démon de l'enfer ne peut arrêter amen. Ça. Amen, amen. Toutes les pensées négatives sont balayées. Amen. Nous allons de l'avant. Amen. Et nous croyons que cela aura lieu au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Rien ne peut empêcher que ça ait lieu. Amen. Donc, je vous exhorte, le diacre fera la réunion tout à l'heure. Aujourd'hui, ce sera un long dimanche. Je voulais avoir un entretien avec les soeurs, mais je ne pense pas que je pourrais faire l'entretien. Donc, je vous donne rendez-vous, spécialement les soeurs. Je vous donne rendez-vous à 18h. 17h30 même. Si vous avez des téléphones, captez, Joablin, mettez. Amen. Car je vais parler de vous de façon ouverte. Je me souviens qu'en décembre dernier, non pas en décembre dernier, en décembre 2015, amen, alors que nous préparions le réveil, le Saint-Esprit a parlé à mon cœur que je devais parler aux soeurs. Mais je n'ai pas négligé. J'ai négligé un peu. Cela est revenu sur moi comme une sanction. Donc le soir à 18h, celles qui ne sont pas venues en formulaire. C'est spécialement pour les soeurs. Elles font aussi bien écouter. Tout le monde peut poser des questions ce soir. 17h30 capté, parce qu'il risque d'être là-bas tôt. Amen. Aujourd'hui, il a fait le culte tôt à Amélie qui est revenu, mais j'ai dit à un frère Henri, frère Henri est allé. Amen. Donc frère Henri est avec eux. Amen. Yes. Donc le soir 17h30, les gens coupent courant, c'est là à faire. 17h30, ils n'ont pas coupé courant. Amen. Si elles ont coupé courant, nous, on envoie le courant. Amen. All right. Puis on fait ce qu'on a à faire. Yes, sir. Que l'ancien soit béni. Si le courant résiste, c'est que Dieu ne veut pas qu'on parle. Let's go, Pastor. Rien n'est tonnerre ici sur la terre. Amen. Amen. La Bible dit que ça dépend de celui qui veut venir, celui qui court, mais de Dieu qui fait grâce. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc, après 11, un mois après, 9, 10, il y a le pasteur Jean-Pierre Janot qui vient. Amen. Il est en train de faire le papier d'un frère. Il doit venir ensemble. C'est pas encore OK, il ne m'a pas encore fait ci. Donc, il sera là pour la pose de la première pierre de votre assemblée. Amen. Mais aujourd'hui, déjà, il a une assemblée à Marseille. Il est en train de faire la dédicace de l'assemblée. Donc, depuis samedi, tes frères sont avec lui pour prêcher là-bas. Amen. Donc ce dimanche, c'est la dédicace de l'Assemblée de Marseille. Le pasteur Jean-Pierre Janot, le français, n'est pas trop grand. Je crois qu'il a 60, combien d'années? Ma femme connaît un peu. 70 ans. Mais 70 ans, puis il est encore un frère. Je crois qu'on aura de bons moments. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia, vous avez la salutation du pasteur Jérémy de Gagnois. Et je pense qu'il fera son effort pour être là 9-10. Qu'il puisse tonner un peu. Amen. Je dis amen, Pastor. Parce que Jérémie, c'est un tonner. All right. Je le crois, Pastor. Amen. Amen. Décembre passé, il dit que nous venions à la convention, puis on était dans le car. Et le car a commencé à tanguer. Amen. Comme dans le bateau de Noé. Amen. Yes, sir. Il dit, mais je ne craignais rien. Amen. Parce que quand Noé a fini le bateau, yes. Dans la version anglaise, on est quand même tout. Yes. Ça veut dire tout le monde dedans. Ça veut dire que Dieu était déjà dans le bateau quand il a appelé son serviteur. Est-ce que vous connaissez Jérémie? Ceux qui ne le connaissent pas vont le découvrir. Dieu a donné un petit temps. Pas longtemps. Mais quand tu donnes un petit temps, tu as envie de l'écouter jusqu'à la fin. Que le Seigneur soit béni. Est-ce que vous aimez cet homme? Amen, je l'apprécie beaucoup. Il a dit beaucoup de bonnes choses. Il dit, la Bible dit, lorsque le papa sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Il dit, allez dire aux dénominations catholiques baptistes qu'ils auront disparu. Il dit, il y a des gens qui viennent dans vos églises parce qu'ils veulent être guéris. Ils veulent qu'on leur donne un songe où l'homme de Dieu dit, non, je vois telle chose. Quand ils ne voient pas ça, ils se retournent. Ce n'est pas de leur faute. Il dit, mais un troisième groupe. Ils sont guéris. Ils ne sont pas guéris. Ils s'en foutent. Ils adorent. Ils disent amen. Parce que la semence est en eux. Est-ce que le groupe de la semence est ici? Oui. Il sera là. Je ferai aussi un effort pour envoyer notre nouveau pasteur, pasteur de Boisfleu,
qui s'identifie à la pleine parole. Amen. Amen. Je pense que ce pasteur C.A. de Boisflay, C.A. Jean-Luc, il sera là aussi. Je crois que ce sera un tonnerre. Amen. Chaque année, Dieu envoie les nouveaux pour tonner un peu. All right. Pasteur Claude, pasteur Méda, pasteur Jérémy, maintenant pasteur Jean-Luc. Qu'est-ce que ça sera dans le futur? My God. Il faut que des jeunes ministres se donnent à la parole de Dieu. C'est tout. Amen. Merci Dieu le prophète. C'est qui pour annoncer l'évangile? Amen. Que nom Saint soit béni. Amen. Parce que Jean-Luc me disait que j'ai fait mes petites activités pour soutenir l'œuvre. Right. Et j'ai fait de village en village. Amen. De ville en ville. Yes. Parce que Claude me disait qu'il y a une œuvre éloignée. C'est dans un petit village. Mais je vais là-bas pour prêcher. Yes, je reviens. Yes. Voilà des gens qui ont un fardeau. Amen. Alors ces gens-là, je ne suis jamais lassé. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup d'expérience dans le jeune âge. Quand ils seront grands, yeah. Quand ils auront 70 ans, ah. My God, dites amen l'église. Est-ce que vous les aimez? Yeah. Est-ce que vous les appréciez? Pour vous donner bonne main d'acclamation pour tous ces hommes de Dieu. Continuez d'acclamer. Pasteur Claude, Picia, donnez main d'acclamation. Yeah. Pasteur Jérémy de Gagnois, yeah. Pasteur Méda, yeah. Donnez main d'acclamation. De grandes main d'acclamation. Tenez-vous debout, donnez main d'acclamation. Pasteur Sia Jean-Luc, de Profle, donnez de grandes main d'acclamation. Que Dieu les bénisse pour leur consécration à l'œuvre de Dieu. Et que Dieu vous bénisse également. Yeah. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes debout. Vous n'allez plus vous asseoir. Amen. Alors comme changeons l'ordre de la réunion. Amen. Que Dieu bénisse chacun de vous. Frère, amen. Dieu te bénisse. Frère, encore bon arrivé. Nous allons changer l'ordre de la réunion. Nous, ce soir à la radio, amen. Je ne sais pas à quel moment je vais finir, mais je vais faire un effort pour parler selon ce que Dieu a mis sur mon cœur. Praise God. Est-ce que vous vous sentez bien? Vous croyez la parole? Avec vie? Que le nom du Seigneur soit. Chant. Matthieu 5, verset 46 à 48. Et dans la lettre des brebis. Matthieu 5, verset 46 à 48. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Amen. Soyez donc parfaits, comme le Père Céleste est parfait. Amen. Ça, c'était l'exigence de Jésus-Christ. Hébreux 10, verset 1. En effet, vous êtes avec moi? Verset 1, et puis on va dire verset 14. En effet, la loi qui possède une ombre de bien à venir, dont la loi n'était pas parfaite, la loi qui possède une ombre de bien à venir et non une exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener l'assistance à la perfection. Dans la Bible déclare donc, Jésus dit soyez parfait. On lui sait que la loi ne peut pas envoyer l'homme à être parfait. Donc Hébreux nous dit ça. Amen. Allons-y dans Hébreux 10, verset, Hébreux 10, verset 13 maintenant. À 14. Pardon. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Amen. Donc ce matin, vous serez sanctifiés. Et le mystère de la perfection doit entrer en vous. Amen. C'est ça la bataille que nous faisons ici. Sinon rien d'autre. Vous devez être parfait comme Dieu. Amen. Ou que vous soyez arrivé à le croire. Amen. Jusqu'à un jour vous pouvez disparaître. Amen. Passer par les murs. Amen. C'est cela que nous sommes en train de travailler ici. Yes, un tel homme, aucun démon ne peut l'arrêter. Amen. Parce qu'il est identique au Père Céleste. Amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, allez. Une autre portion. Alléluia. 1 Corinthiens 13. Amen, passe, courage. Feu. Amen.
1 Corinthiens 13, verset 1er. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un arrêt qui résonne ou un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de. My God. Est-ce que vous pouvez vous représenter ce que nous disons? Peu importe les dons spirituels. Alright. Tu parles à la montagne, elle bouge. Amen. Si tu n'as pas la charité, c'est zéro. Amen. La charité, peut-être que les gens pensent que non, c'est de faire du bien aux pauvres. Non, je donne tous mes biens à des pauvres. Ça, c'est la charité. Ça, c'est en français. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce que Dieu appelle charité dans la Bible. Continuons alors. Verset 3, 1 Corinthiens 13 toujours. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. Même, je livrerai même mon corps pour être brûlé. Si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de. Ah, donc la charité, c'est quoi? La compasse. Donc la terre pour un coup de prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, tu nous as dit d'être parfait comme le Père Céleste est parfait. Et ce matin, nous voulons parler au peuple de Dieu que tu nous as donné. Amen, Seigneur. Je crois, Seigneur, que tu vas m'aider alors que je me suis préparé comme un homme. Mais je crois, Seigneur, que tu pourras me soutenir et m'emmener là où je ne peux pas arriver. Bénis ce culte de ce matin. Ouvre l'entendement de chacun de nous. Fais-moi grâce et grâce à chacun. Au nom de Jésus, je prie. Amen, amen, amen. Amen. Pour la soirée, Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Amen. Est-ce que certains n'ont pas encore été baptisés ici? Quelqu'un veut se faire baptiser qui est présent? Amen. Amen. Deux personnes. Que Dieu bénisse. Donc, donnez vos noms au diacre à la fin du culte. Je crois que Frère Henri n'est pas là, mais on va voir comment gérer ça. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Amen. Oh, c'est un titre bizarre. Les sept composantes invisibles rendues manifestes dans l'épouse, parole, par la puissance de la charité. Amen. Les sept composantes invisibles. On ne voit pas. Yes. Mais ça sera rendu manifeste. Yes, sir. Dans l'épouse, parole, par la puissance de la charité. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Pour ceux qui prennent des notes, les sept composantes invisibles rendues manifestes. Amen. Par la puissance de la charité. Rendues manifestes dans l'épouse, parole. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Donnez-moi la grâce au Seigneur Dieu. Amen. Nous savons qu'il est écrit dans 2 Pierre 1, Amen. Verset 1 à 8. Qu'ajoutez à votre foi la vertu la connaissance, à la connaissance la tempérance la patience, à la patience la piété l'amour fraternel. Amen. Et à l'amour fraternel la charité. C'est ça. Amen. Est-ce que vous croyez? Amen. Donc ça veut dire qu'il y a sept choses qui doivent être ajoutées. Et la huitième, c'est la charité. Amen. Et les gens pensaient que la charité, c'est de faire du bien. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas ça la charité. Quand tu peux faire ça, il ne peut pas avoir la charité. Quand tu peux faire ça, puis il n'y a rien. Donc qu'est-ce que la charité alors? C'est l'amour parfait. C'est cela. Qu'est-ce qu'on appelle l'amour parfait? Un seul homme peut avoir l'amour parfait. C'est Christ. Amen. Voilà pourquoi c'est lui qui donne la charité. Oh, yes. Que notre Seigneur soit béni. Alright. Et lui-même l'a dit, soyez parfait comme le Père Céleste est parfait. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc si l'amour vient de Dieu, l'amour parfait, c'est que c'est le lien pour la perfection. Amen. Amen. Yes. Colossiens 3, verset 13 à 14. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a sujet de se plaindre à l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Amen. De même que Christ vous a pardonné, yes, pardonnez-vous aussi. Vous avez vu? Donc là, c'est un premier pas. Mais ce n'est pas encore la charité. Pardonner, c'est bon. La façon fraternelle, c'est bon. La Bible dit d'ajouter ça. Yes. Amen. Mais c'est la septième chose.
Mais est-ce qu'au dessus de ça, pas quelque chose? Verset 14. Mais par-dessus tout, par-dessus toutes ces choses. Ah bon? Donc ça veut dire que peu importe l'amour que vous avez pour quelqu'un, il y a quelque chose qui doit venir au-dessus. Amen. Amen. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité. Amen. Qui est le lien de la perfection. Amen. Amen. Yes. Donc les sept vertus en vous, là, doit être moins par la charité. Amen. Quand la charité, moins ça veut être parfait. Oh, alléluia. Alors que Paul dit, en effet, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Yes, sagesse qui n'est pas de ce siècle. Amen. Amen. Donc ce matin, je crois que la charité doit descendre. Amen. Et je crois dans mon cœur que mercredi dernier, la charité était ici. Amen. Et tout le peuple était en ébullition. Right. Les gens pouvaient sentir la présence Amen. De Dieu. Amen. Frère Bernard, qui était Daouko, il est venu. Il dit vraiment, il s'est senti bien ce jour-là. Oh, yes, donc quelque chose a parlé à son âme. Amen. Nous sommes ici pour entendre Dieu parler. Corée. Et quand Dieu parle, cela va produire quelque chose dans le cœur de quelqu'un. Amen. Alléluia. Yes. Moïse n'a pas entendu Dieu parler. Moïse est parti délivrer le peuple. Quand Moïse est parti, Moïse a échoué. Amen. Donc Moïse a fui d'aller dans le désert. Moïse a fait 40 ans dans le désert. Amen. Mais le jour que Dieu a parlé à Moïse, Moïse est devenu une nouvelle personne. Amen. Parce que la voix de Dieu maintenant était en Moïse. Quel nom Saint soit béni. Donc Moïse partait devant Pharaon, ayant reçu quelque chose d'autre en lui. Amen. Quel nom Saint soit béni. Les hommes sont différents. Amen. Quand ils n'ont pas entendu la voix de Dieu, tu peux faire ce que tu veux. Mais un jour qu'il entend Dieu lui parler, Amen. Il devient un homme spécial. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui ne rime pas avec la voix de Dieu qui a été tonnée en lui, yes. il met cela de côté. Amen. Pourquoi? Parce qu'il devient lui-même une réponse à Satan. Yes, parce que Dieu a parlé à son cœur. Amen. Et Dieu lui a montré un signe réel. Quel nom du Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous croyez qu'on serait parfait? Yes, pour être parfait, il faut que Dieu lui-même descende. Yes. Amen. Un jour, le prophète de notre temps, William Branham, dessinait le spécial sandalier. Amen. Montrant que d'après l'histoire, Amen, Dieu lui a révélé comment est-ce que les sept étoiles étaient sept messagers. Il a parlé de Paul, il a parlé de René dans l'histoire, il a parlé de Martin, comment les gens ont combattu toutes les doctrines qu'ils voyaient négatives. Jusqu'à il a écrit Wesley là, et il est allé s'asseoir. Amen. 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 Une main invisible. Amen. Glory. Ah. Alléluia. Ah. Une main invisible a pris la crainte. Et aller mettre William Branham là. Amen. Que le Seigneur soit béni. Yes, après qu'il ait présenté les six autres messagers, Amen. Dieu lui-même est descendu pour présenter son ministère. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Vous êtes dans l'âge où Dieu doit travailler avec un peuple. Yes, le même Dieu qui a écrit sur la tablette avec Moïse, ce même Dieu est descendu dans le temps de la fin oh et s'est tenu avec William Branham. Amen. Amen. Yes. Frère Branham est mort. Il n'est pas mon Dieu. Il n'est pas mon Seigneur. Yes, mais il a été la voix de Dieu pour yes, moi. Pourquoi je me tiens ici? Quand tous les démons de l'enfer, Amen. Et je ne perds aucun démon, parce qu'il sait comment me tenir pour vaincre le diable. Amen. Que le Saint dise Amen. Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Que le nom du Saint soit béni. Amen. Oh, il y a deux histoires dans la Bible que je vais lire. Amen. Glory. Il y a un jeune homme riche qui s'est approché de Jésus un jour. Amen. Ça, c'est un mystère. Let's go, pass. Dans Matthieu 19, à partir du verset 16, le jeune homme s'est approché de Jésus. Il a dit, maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour hériter le royaume? Amen. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Je vais lire. Amen. Il lui répondit, pardon, un peu d'en haut, Matthieu 19, verset 16. Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe le commandement. Il dit, lesquels? Dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne mettras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point, tu ne diras point le faux témoignage. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est toujours le dernier qui a donné l'amour du prochain. Let's go. Le jeune homme lui dit, est-ce que vous écoutez maintenant? J'ai observé toutes ces choses. Que me demande-t-il encore? Ah, moi-même, j'aime. Si c'est un moulin, tu ne peux pas. Je suis riche, il fait du bien. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, est-ce que vous voyez cela? Let's go. Va.
Vends ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Quand tu te vends tous tes biens, ce n'est pas suffisant. Hein? Tu dois venir maintenant, monsieur. Que Dieu te bénisse. Parce que je suis le chemin, la vérité, la vie. Encore, fais tout ce que je t'ai dit. Si tu fais tout ce que je t'ai dit, tu seras parfait. Ça veut dire qu'il n'avait pas reconnu le Christ voilé. Parce que Jésus lui a dit, vends tout. À cause de mon nom. Mais il n'a pas pu le supporter. Je continue. Alléluia. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Il n'y avait pas la semence, passe. Oh, Faya, tu es rentré dans la parole. God bless you, passe. Et... Glory to be to God. Amen. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Amen. Jésus voulait tester la chose à l'intérieur. Amen. On peut continuer un peu. Amen. Alléluia. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille quand un riche entrait dans le royaume des dieux. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible. Mais à Dieu, tout est possible. Amen. All right. Amen. Amen. Ah, my God. Deuxième histoire. Il s'agit de Zachée. Dieu est trop dangereux. All right. Amen. Amen. Jésus étant arrivé, Luc 19, verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée. Ah, ça fait deuxième personne. Chef des publicains cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Amen. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Amen. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit, et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Amen. Zachée se hâta de descendre et il le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est logé chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenait devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Amen. Vas-y. Glory. Ils n'ont pas encore dit à Zachée de faire ça. Glory to God. Amen. Est-ce que vous le croyez? Zachée était un publicain. Était un pécheur. Il a reçu Jésus. Alléluia. Et puis il dit non, bon, je donne la moitié. Mais Jésus a dit à l'autre, vends tout de bien. Mais lui dit, donne la moitié. Jésus lui dit non, moitié, c'est pas beaucoup. Donne tout. Amen. Je continue. Alléluia. Que l'ancien soit béni. Amen. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Quatre fois. Amen. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison. Et le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Si on peut lire la dernière phrase. La dernière phrase dit ceci. Quand le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Perdu signifie ils étaient avec lui avant. Mais ils se sont perdus. C'est eux qui sont venus chercher. Il va la trouver. Alléluia. Est-ce que vous croyez? Donc le jeune homme était un religieux. C'est un homme qui aimait Dieu. Il faisait le bien. Que le Seigneur soit béni. C'était un bon baptiste. Que le Seigneur soit béni. Alléluia. Mais Jésus a voulu sonder l'esprit qui est à l'intérieur. Jésus dit, bon, vends tes biens, suis-moi.
Mais quand Zacha a reçu le Christ, Jésus n'a même pas encore parlé. Il dit, Jésus, je donne tous mes biens. La moitié. Amen. Jésus même ne pouvait plus poser de questions à cet homme. Parce que la sémence avait commencé à s'exprimer. Parce que tout le monde négligeait Jésus. Mais lui, de tôt le matin, il est monté sur le sycomore. Il dit, je dois le voir. Je dois m'appeler Jésus. Je dois le voir. Parce que la sémence en lui. Alléluia. My God. Alléluia. Dans la charité, ce n'est pas de faire le bien. Dans la charité, avait visité Zaché. Et la charité a commencé à influencer Zaché. Alléluia. Amen, amen. Mais le jeune homme riche ne pouvait pas être visité. Jamais. Parce que la sémence qui est en lui amen. N'était pas conforme à la sémence parole perdue. C'est cela. Amen. Yes. Que Jésus est venu retrouver. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Qu'est-ce que donc la charité? Donnez mes recommandations au Seigneur. Let's go, Père. 1 Corinthiens 14, verset 3 à 10. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente. Let's go, Père. Elle est pleine de bonté. Amen. La charité n'est point envieuse. Amen. La charité ne se vante point. Amen. Elle ne sent point d'orgueil. Amen. Elle ne fait rien de malhonnête. Amen. Si vous voulez la malhonnêteté quelque part, la charité n'y est pas. Amen. Elle ne cherche point son intérêt. Amen. Elle ne s'irrite point. Amen. Elle ne soupçonne point le mal. Tout amène quelqu'un. Amen. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Amen. Mais elle se réjouit de la vérité. Amen. Est-ce que la vérité est prêchée ici? Amen. Que quelqu'un dise amen. Amen. Elle excuse tout. Amen. Elle croit tout. Amen. Elle espère tout. Amen. Elle supporte tout. Amen. La charité ne faillit jamais. Amen. Oh, Amen. Je pose la question maintenant. Amen. Qui ne faillit pas? Jésus. Donc la charité, c'est Jésus-Christ. Vas-y, passe. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Quand nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel, ce qui est partiel, ce qui est partiel, disparaîtra. Mais si je sais que ça s'est passé, ça disparaît. Je ne peux pas m'engager déjà. Amen. Des miracles, des guérisons, des prophéties. Ça, c'est patient. Yes, sir. Nous voulons la charité. Amen. Elle ne faillit pas. Oh, yes. Et si la charité est ici, cette assemblée ne faillira jamais. Amen. My God. Yes. Yes. Oh, praise God. Est-ce que vous vous sentez bien? Amen. Oh, excusez-moi pour ceux qui ne comprennent pas. On va bien expliquer. Alléluia. Parce que la charité, c'est Dieu lui-même. En présence de Dieu, quelque chose doit se passer en vous. Amen. Dans la charité, c'est Dieu lui-même. Amen. Donc c'est Christ sous forme de la charité. Amen. Et la Bible déclare qu'il a marché au milieu de sept années d'or. Mais pas en tant que la charité. Amen. Il a marché au milieu de sept années d'or. Il a changé de vertu en vertu. Dans le premier âge, il a marché avec Paul, pas comme étant la charité, mais comme étant la foi. C'était Jésus-Christ marchant dans les âges. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Donc qu'est-ce que Jésus a fait? Il a mis la foi en Paul. Et Paul a devenu le canal de déversement de la foi. Alors Paul s'exclamait dans la Bible, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. My God. Alléluia. Alors il a continué avec la vertu puissance pour le service. Irénée était la représentation de la vertu dans son âge. Martin était la représentation de la connaissance dans son âge. Est-ce que vous le croyez? Luther, la représentation de la patience. Pardon, Luther, la représentation de la patience, oui. Colomba, la représentation de la tempérance. Voici la représentation de la piété. William Branham, la représentation de l'amour fraternel. Ça ne tombe pas encore. L'homme que la charité se déverse. Alors, un jour, frère, on prêchait. Et au moment où il prêchait dans l'auditoire, un jeune homme était assis près de sa jeune fille. De sa copine, peut-être. Et les deux ont commencé à s'amouracher. Quel Seigneur dit amen. Alors, frère, on a vu cela. Ça lui a fait bizarre. Le Seigneur de Dieu est descendu. Le Seigneur de Dieu est au prophète.
tout ce que tu veux, cela va arriver. Alléluia. Vraiment, il les a regardés, il dit, Seigneur, pardonne-le. My God. Parce que tout ce qu'il allait dire allait arriver. Que le Seigneur dise amen. Dans la Bible, un prophète nommé Élisée n'avait pas la vertu de façon fraternelle en lui. Mais c'était un prophète. Il était roi. Alors il est sorti un jour. Et les enfants ont commencé à se moquer de lui. Vieux chauve. Vieux chauve. Alors Élisée les a regardés. C'est Élisée avait la charité. Ou seulement la façon fraternelle. Élisée allait dire, je le pardonne. Élisée n'a pas pardonné. Ce qui manquait à Élisée, c'était la façon fraternelle. Pour pardonner à ses jeunes enfants. Élisée l'a regardé. Et puis Élisée les a maudits. Et les loups sont quittés en bourse, venus dévorer les enfants. Que le Seigneur les amène. Parce que tout ce qu'Élisée allait dire, ça allait arriver. Mais avant de prononcer la puissance, il faut avoir le caractère. Parce que sans le caractère, la puissance me rend beaucoup de mal. Que le Seigneur les amène. Je me sens bien. Je me sens à l'aise. Quand je parle des mystères cachés. Depuis la Genèse. Parce que c'est que le même ange qui a conduit Frère Branham est ici pour ouvrir la parole pour vous. Pour que vous sachiez où vous trouvez. La Bible n'est pas un livre de lecture. La Bible est un phénomène que Dieu a scellé. Mais à la fois de cet ange, le mystère de Dieu sera révélé. Et vous saurez pourquoi Dieu a fait ça. Pourquoi Élisée a fait ça. Pourquoi Élie a fait ça. Quel Saint dit amen. Est-ce que vous le croyez. Est-ce qu'on peut aller de l'avant. Est-ce qu'on peut dire amen. Et je crois que ce soir, my God, à 18h, Dieu également parlera. Et je crois que ce sera la parole faite. Et vous devez le croire. Plusieurs vont écouter, mais plusieurs ne comprendront pas. Parce que Jésus a dit aux gens, il dit cela est impossible aux hommes. Il ne peut pas comprendre. Mais tous ce sont possibles à Dieu. Donc je crois que les fils de Dieu sont ici pour saisir la volonté de Dieu pour eux dans cet âge. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Donc frère Branham a identifié la façon fraternelle. Et la Bible dit, si tu as quelque chose contre quelqu'un, mets-le en ordre. Amen. Avant de venir faire ton sacrifice. Ça sera. Hein? Est-ce que vous croyez? Alors pourquoi? Peu importe qui vous êtes, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, mettez-le en ordre. Ça avant de venir ici. Ça voilà pourquoi moi, pasteur, j'ai mis toutes choses en ordre. Donc je me tiens ici. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Si quelque chose vient dans ma pensée, je mets en ordre. Quel nom dit quelqu'un dit amen. Parce que vous devez appliquer la parole. Vous devenez la parole quand vous avancez. Et la parole devient vous. Que le Seigneur dise amen. Est-ce que vous croyez? Au fur et à mesure, vous êtes en train d'ajouter quelque chose à votre vie. Que quelqu'un dise amen. Alors quand Dieu fera, la façon fraternelle qui vous inonde. Et la vertu qui vous inonde. Il est obligé de faire des choses en charité. Parce que je ne pense pas qu'un homme ait fini de faire sa maison. Tout est propre. Et puis il va pas finir la dernière touche. Il est obligé de terminer la dernière touche. Vous pouvez vous asseoir. Il y a un ami qui me disait, il dit quand on construit une maison, vous croyez ne pas avoir les moyens. Mais quand vous voyez que ça sort des terres comme ça, vous voulez aller plus loin. C'est ça. Là, tu vas prendre crédit. Tu fais un prix quand ça arrive au chaînage. Tu veux aller plus loin. Tu mets la toiture. Tu veux aller plus loin. Donc qu'est-ce qui fait ça? C'est parce que tu as commencé. Amen. Alors la Bible dit celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous amen. Va l'achever. Si Dieu a commencé en toi, ça sera achevé. Quel est le Saint soit béni. Est-ce que vous êtes avec amen. Moi donnez-moi la commission, c'est un Dieu béni. Oh, glory to be to God. On a vu l'histoire des deux personnes. Amen. Amen. Donc la charité, c'est le lien pour la perfection. C'est donc pour être parfait, il faut que la charité descende. Yes, sir. Or, la Bible dit que vous devez être participant de la nature de Dieu quand les sept choses-là sont en vous. Amen. Amen. Yes. Mais les sept choses doivent être scellées par la charité. Amen. C'est cela. Par une onction qui descend du ciel. Amen. Voilà pourquoi vous devez refléter les couleurs de cette onction. Amen. La Bible a parlé de sept couleurs. Yes. Oui, c'est sept couleurs qui sont ici. Mm-hmm. Car après, 10, 17 couleurs. Amen. Parce que l'arc-en-ciel, ça veut dire sept couleurs. Amen. C'est pas écrit sept couleurs, mais on dit descendu du ciel. Avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Amen. Or, vous savez que l'arc-en-ciel a sept couleurs. Amen. Amen. Yes. Or, quand il descend du ciel, c'est avec tout ce qu'il est qui descend. Amen. Donc, le reflet de l'arc-en-ciel n'est rien que lui-même.
dans sa manifestation. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous le croyez? Quand il descend du ciel avec la cancelle, sur sa tête. Que quelqu'un dise amen. Pas sur son épaule, pas sur son bras, mais sur sa tête. Comme le couronné. Oh, vous souvenez-vous de quelque chose? La Bible dit que l'épouse est la couronne de son roi. Que le Saint dise amen. Donc il descend avec quelque chose pour vous. Que le Saint dise amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors sa couleur de l'arc-en-ciel doit entrer en vous. Et c'est cette couleur qui a été cachée dans un pierre. Dans deux pierres, pardon. Deux pierres à huit. Cette couleur de l'arc-en-ciel. Que quelqu'un dise amen. Est-ce que vous le croyez? C'est comme la mécanique déjà en vous. Un fils de Dieu aime. Il croit que Dieu peut faire. Amen. Mais il peut être dans le monde, quelque part. Comme une mécanique en lui. Amen. C'est là en lui, mais ce n'est pas parfait. Amen. Amen. Alors qu'on lui parle de cela, il se rapproche de la chose. Amen. Pour essayer d'écouter. Amen. Il essaie d'écouter. Il essaie d'arranger les choses. Amen. Nous appelons cela la mécanique de la chose. C'est-à-dire, il essaie d'arranger la voiture. Amen. Mais aussi, longtemps qu'il n'y a pas de déclic, la voiture ne peut pas bouger. Peu importe le niveau de carburant qu'il y a dedans. Quand le démarreur est foutu, la voiture ne bouge pas. Il faut quelque chose pour l'allumer. Amen. Et je crois que la sainteté vient encore allumer les vertus. Amen. Que le Seigneur dise amen. Nous sommes donnés la grâce au Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Qu'est-ce que la charité? Amen. Si la charité, ce n'est pas de faire du bien pour les pauvres. Qu'est-ce que la charité? La charité, c'est la nature de Dieu. Amen. Qui est déjà en Dieu. Et cette charité descend. Elle doit entrer en vous pour baptiser de feu l'individu. Mais cela ne vient pas comme ça. Avant que la charité ne vous baptise, d'après chapitre 10, on dit que cette tonnerre fontaine les voit. Que quelqu'un les amène. Et l'ange dit à Jean, va vers l'ange. Prends le livre et avale-le. Et prophétise de nouveau. Donc j'ai un grand prophète. J'ai un grand presteur. J'ai un grand évangéliste. J'ai un grand docteur. Dans le mystère du perfectionnement doit être caché quelque part. Après, je déclare ce soir, je déclare ce matin, si les gens croyaient pasteur comme étant le voile de la divinité, ils peuvent être parfaits. Oh my God! Oh, souvenez-vous que la perfection en réalité, c'est l'image de Dieu. Donc si les sept choses vous amènent à la perfection, c'est que Jésus lui-même, il est composé de sept mystères. Alléluia! Quels sont les sept mystères? Jésus c'est la foi, Jésus c'est la vertu, Jésus c'est la connaissance, Jésus c'est la tempérance, Jésus c'est la patience, Jésus c'est la piété, Jésus c'est la façon fraternelle. Donc ces choses-là doivent être en vous. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Quand Frère Branham est mort, l'Odyssée est restée là. Il n'y a pas de messager maintenant pour l'Odyssée. Parce que votre messager est mort. Que dis-je? Le messager est mort. Alléluia. Alors ils prennent les bandes et ils projettent ça. Mais dans la bande, il n'y a pas la vie dedans. Yes, il n'y a pas la vie dans la bande. Avant qu'il y ait la vie dans la bande, il faut que celui qui pèse sur la bande soit vivant sur la terre. Mais il n'est pas vivant. Il est mort. Il n'y a pas la vie dans la bande. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir la vie dans ce temps de la fin? Frère, par nous monter notre âge. Oh, dans la Bible, il n'y a que sept âges. Et frère, nous parle du huitième âge. Qu'est-ce qu'il dit? Amen. Qu'est-ce que le huitième âge? Qui est le messager du huitième âge? Qui t'amène quelqu'un? Si vous ne parlez pas du huitième âge, c'est qu'il y a un huitième âge. Si il y a un huitième âge, il y a un huitième messager. Que le Seigneur amène. Est-ce que vous le croyez? Alléluia! Oh, dans la parole, il n'y a que sept âges. Parce qu'il n'y a que sept jours. Il n'y a pas huit âges. Il n'y a pas huit jours. Donc s'il y a un huitième jour, ça doit être quelque part. Mais pas dans le temps. Au-dessus du temps. Que le Seigneur amène. Allez voir le messager. Il puisse descendre pour opérer les gens au-delà du 7e âge, pour faire entrer dans le 8e âge. Qu'est-ce que le 8e âge? Est-ce que vous vous sentez bien? Alléluia! Quand vous parlez de cela en pyramide, ici il a mis un espace vide. Vite. Et il a appelé cela le Saint-Esprit. Mais quand Paul avait la foi dans son âge, c'était le Saint-Esprit. Amen. Mais sur la forme de la foi. Le Saint-Esprit, sur la forme de la vertu. Amen. Le Saint-Esprit, sur la forme de la connaissance. Amen. Le Saint-Esprit, sur la forme de la façon fraternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais cela n'est pas parfait en vous. Alright. Donc il faut un huitième âge. Amen. Où ça sera plus un tonnerre qui vient entendre sa voix. Yes, mais dans le huitième âge, c'est l'âge des tonnerres. Amen.
ne croyez pas le tonnerre, on n'entre pas dans le chômage. Ce matin, pour certaines personnes, nous sommes en train d'ouvrir le 8e âge. Je vous invite à entrer dans le 8e âge. Que le Seigneur dise amen. Alléluia. Le 8e âge, c'est l'âge de l'adoption. C'est dans l'âge de l'adoption que vous devenez comme Christ. Paul dit, nous prophétisons en partie. Nous prophétisons. Ça veut dire que ce n'est pas parfait. Mais quand le parfait sera, dans son âge, ce n'était pas parfait. Dans l'âge d'Irénée, ce n'était pas parfait. Dans l'âge de Branham, il a vu le parfait. Il a vu le parfait. Donc vraiment, on prophétise. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit après moi. Toi, Branham, fils. Après moi. Des gens viendront. Des gens viendront. Pour donner plus de sens. Est-ce que vous voulez la parole? Que quelqu'un dise amen. Il dit après moi, des gens viendront pour donner plus de sens à ce message. Yes! Que les apôtres sont morts. Que les apôtres sont morts. Paul est parti. Alors Irénée s'est levé. Colomba s'est levé. Luther s'est levé. Amen. Wesley s'est levé. Luther a commencé à prêcher la justification. Il dit, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais vous êtes justifié par la foi. C'est dans la Bible. Mais ça avait un sens pour un temps. Que quelqu'un dit amen. Wesley est venu pour donner plus de sens à la justification. Et puis la sanctification, sans que nous ne verrons Dieu. Donc les deux choses étaient là. La justification et la sanctification. Que le Seigneur dise amen. Frère Branham est venu à la façon fraternelle. À la façon fraternelle. Ajouter la charité. Frère Branham est parti. Et Frère Branham lui-même dit, après moi. Après moi. Comme après toi. C'est le 7e âge. Donc si après toi, il y a un 8e âge, tu dois nous le dire. Tu t'emmènes quelqu'un. Est-ce que trois gens ici? Est-ce que vous voulez la parole? Il y a après moi. Des gens viendront. Des gens viendront. Des gens. Pas des arbres. Pas des arbres. Pas des extraterrestres. Des hommes. Ils viendront pour donner plus de sens. Que le Seigneur dise amen. Écoutez-moi maintenant. Quand cet messager vient, il révèle tous les mystères cachés. Il parle des tonnerres. Il parle de tous les mystères cachés dans la Bible. Il parle même de l'enfer. Il dit l'enfer n'est pas éternel. Attendez, amen. Amen. Vas-y. J'ai la parole, passe. Amen. Il dit l'enfer n'est pas éternel. Si l'enfer est éternel, c'est que les morts sont éternels. C'est que la vie est éternelle en enfer. Mais l'enfer n'est pas éternel. Alléluia. Prenez au chapitre 10. On dit de là, ça n'a ni racine, hein, ni rameau. Ça veut dire qu'ils seront tous brûlés. Ils vont brûler pour longtemps. Mais l'enfer sera annulé. Donc l'enfer n'est pas éternel. Il révèle encore le mystère du jardin d'Éden. Il révèle encore le mystère. Quelqu'un dit amen, de la femme. C'est ce que nous allons parler ce soir. À Radio Joablin. Pour que je sois en ordre avec Dieu, je dois le parler. Il révèle tous les mystères écrits. Mais un dernier mystère. Quand le chapitre 10, quand ça tonnerre, faut entendre la voix. Jean voulait écrire. N'écris pas. Parce que le 7 âge, on reçoit la commission. Tiens. C'est une autre commission. Ce n'est pas pour le premier âge. Ce n'est pas pour le 5e âge. Ce n'est pas pour le 6e âge. Ce n'est pas pour le 7e âge. Parce que le 7 âge, on reçoit leur commission. Donc c'est une dernière commission qui n'est pas écrite. C'est pour quel âge? Hey! Que Dieu te bénisse. C'est un âge spécial. Un âge invisible. Un âge spécial. Un âge invisible. Qu'est-ce que le ministre doit faire? Le ministre doit descendre à la Odyssée. Il doit descendre à la Odyssée. Pour prêcher, la femme ne prêche pas. On ne s'habille pas comme ça.
pour attirer les gens. Il les attire. Il les attire. Mais avant de rentrer, dans le 8e marche, ils vont passer maintenant. Les missions non écrits, les vertus vivantes. Tout le monde ne peut pas croire. Mais il y a un petit noyau, il y a un petit groupe qui peut dire, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Sur la parole de la vie éternelle. Ce petit groupe est ici. Alors l'onction doit vous rendre. La puissance doit vous envelopper. Que le Saint dise Amen. Que le Saint dise Amen. Que la puissance vous rende. Que la puissance vous rende. Les autres parlent de la foi. Ils parlent de la vertu. Ils parlent de la connaissance. Ils parlent de la tempérance. Ils parlent de la patience. Ils parlent de la piété. Ils parlent de la pression fraternelle. Mais vous ne parlez pas. Vous vivez la foi. Vous vivez la vertu. Vous vivez la connaissance. Vous vivez les saintes vertus. Pourquoi vous vivez? Vous n'êtes pas de cet âge. Vous êtes sur la terre, mais vous n'êtes pas dans l'âge. Vous êtes dans un autre âge. Un âge qui se lève. L'âge de la charité. L'espace arc-en-ciel. Vous les saintes foi. Les saintes vertus. La nature de Dieu. En cette partie. Rien dans vous. Vous pouvez dire Amen. Vous pouvez crier. Vous pouvez jubiler. Le rien ne voit pas. Ton voisin ne voit pas. Ta voisine ne voit pas. Mais le Fils de Dieu, il voit. Dites Amen. Alléluia. Ce matin, chacun ici, au moment où je prêche, va savoir ce qui lui manque. Alors, Amen signifie. Amen signifie, Seigneur, la connaissance me manque. Donc tu déclares ça, là je viens, sous la forme de la connaissance. Dites Amen. Seigneur, ma foi est faible. Jésus-Christ, sous la forme de la foi. Il est dans le bâtiment. Ça dépend de ce qui te manque. Dites Amen. Est-ce que tu dis Amen quelqu'un? Est-ce que le croyant, selon ce qui vous manque, le grand médecin? Vous n'avez pas la même maladie. Frère Branham dit, le corps de Christ est malade. Le corps de Christ, tout le monde n'a pas la même maladie. Mais le grand médecin, la charité, est ici. Il y a une chambre de consultation. La chambre de consultation, ce n'est pas au bout des âges. Il y a une chambre de consultation. La chambre de consultation, c'est le 8e âge. Où l'ange descend avec toute la manifestation. Pas pour tout le monde. Mais pour ceux qui ont fait un mouvement vers la pierre de fête, je vous invite à allons-y dans la chambre du roi. Venez avec moi dans la maison de mon père. Je ne vous demande pas de comprendre. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande de croire. Que vous croyez, après vous comprenez. Ceux qui croient, verra. Je ne comprends pas tout, mais je crois. Dites Amen. Il n'y a pas de chute. Ou du moins, alléluia. Il n'y a pas de Judas ici. Aucun Judas n'est ici. À qui irons-nous? Sur le parent de la fiche. Judas devait croire. Mais s'il n'avait pas vu, il devait croire. La foi, on ne voit pas. Pourquoi je ne comprends pas? Mais je crois. Je crois que je crois que je crois que je crois que je crois. Dites Amen quelqu'un. Donne-moi la grâce, Seigneur de Dieu. Dieu est avec vous. Et ce matin, le Saint-Esprit se tient ici pour apporter la parole qu'il avait prédestinée avant la fondation du monde. Parce que Dieu est en deux parties. Dieu est le Père et Dieu est le Fils. Le Père est invisible, mais le Fils est visible. Donc le Fils est la manifestation de ce qui est invisible. Que le Saint dise Amen. Donc dans le Père, il y a le Fils. Dans le Fils également, il y a le Père. Dans le Père, c'est le Fils. Alors les gens ne comprennent pas. J'ai dit une seule phrase, on dirait plusieurs phrases. Tout ça c'est dans la Bible. Les gens lisent comme des grands lecteurs. Mais Pierre ne savait pas lire. Mais Pierre savait que le Père était dans le Fils. Et que le Fils était dans le Père. Alors dans la Bible, il y a eu deux phénomènes de création. Jésus a créé. Ou du moins Jésus a multiplié. L'inspiration du Fils. Il a pris des poissons, il a multiplié. Il a pris du pain, il a multiplié.
C'était l'inspiration du Fils de Dieu. Mais au commencement, alléluia, Jésus a parti des poissons à faire des poissons. Jésus a parti du pain à faire des pains. Alléluia, Jésus a parti de l'eau à faire du vin. Mais au commencement, c'était le Père à partir de rien. Il n'y avait rien. Il y avait zéro. À partir de rien. Que la lumière soit. Que la terre soit. Que ceci soit. Que ceci soit. Quelle inspiration. Quelle inspiration. Groupez Toba. Allons de l'avant, frère. Allons de l'avant, frère. Jésus est son inspiration. Et les gens ont mangé l'inspiration de Jésus. Ils ont mangé le pain. Ils ont mangé le poisson. Alors Jésus voulait changer d'inspiration pour sortir du Fils, pour aller dans le Père. Avant de sortir du Fils, pour aller dans le Père, il faut prêcher quelque chose. D'abord, Jésus a prêché. Les malades guérissent, les morts ressuscitent. C'était la prédication de Jésus. Tous ceux qui croient en mon nom feront le miracle que j'ai fait. C'était l'inspiration de Jésus. Mais après, Jésus est rentré dans l'inspiration du Père. Il a regardé l'église. Les gens commençaient à venir. Les gens commençaient à être beaucoup. Quand il est entré dans l'inspiration du Père, il est monté Dieu de la chair. Dans l'Ancien Testament, il est écrit, vous ne mangerez pas la chair d'un homme. Vous ne boirez jamais son sang. Mais l'inspiration, a contourné les Écritures. Alors Jésus est monté Dieu de la chair. Il a ouvert la Bible. Il a pris un passage. Il a commencé à prêcher. Si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'allez pas voir le ciel. Ce n'est quoi? Tous les légalistes, tous les grands lecteurs, tous les intellectuels ont reculé. Quand Jésus a deux ministères, il y a le ministère du Fils, la guérison en son nom, mais il y a l'inspiration du Père. Tout le monde n'écoute pas cette prédication-là. Et Dieu voulait que ceux qui sont prédestinés seuls puissent l'entendre. Il a commencé à prêcher quelque chose qui semblait contraire à ce que la Bible disait. Ça semblait contraire, mais ça n'était pas contraire. Jésus n'a pas expliqué. Si vous ne mangez ma chair, vous ne vivez mon sang, vous n'allez pas aller au ciel. Il y a un groupe qui est sorti. Ils ont cru. Quand Jésus allait essayer d'expliquer, Jésus a continué. Il dit, ma chair est une vraie nourriture. Mon sang est une vraie boisson. Ceux qui boivent mon sang ont la vie éternelle. L'autre groupe est sorti. Il s'est retourné maintenant. Il dit, vous devez mélanger même sang et puis manger. Mais les gars sont là. Il dit, vous devez faire des injections, chacun. Et puis si c'est, ils sont là. Il dit, mais vous là, allez-y, Pierre dit, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Sois la parole de la vie éternelle. Ce matin, à qui irons-nous? À qui irons-nous? Sois la parole de la vie éternelle. Pas la parole de la lettre, pas la parole de la loi, La loi est morte, mais la parole, tu donnes la vie éternelle. Ce matin, reste vie éternelle. Quel est ton problème? Reçois la vie. Reçois la guérison. Reçois la délivrance. Parce que la parole de la vie, ça peut être prêché. Aucun démon ne peut contre toi. Que Dieu bénisse. Nous devons prêcher ça. Mercredi après mercredi. Mais Dieu parle à mon cœur. Pour que je puisse changer de dimension. Pour que le dimanche, je parle ça. Que le Saint dise amen. Vous êtes prêts pour écouter le mystère caché. Est-ce que vous le croyez? Frère Branham dit, vous pouvez donner la grâce au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. L'église entre dans une nouvelle saison. Une saison où la parole de Dieu doit être prêchée dans toute sa profondeur. Alléluia. L'église où pardon est devenue
une vie. Amen. Pas un mot. Yes. Donc c'est la vertu en lui. Amen. Donc un homme ne peut pas condamner son ami. Yes. Mais c'est lui-même qui se condamne. Amen. Parce que quand vous entendez sa voix, Amen. N'endurcissez pas votre cœur. Sinon vous vous condamnez vous-même. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Alors nous sommes dans un âge où le miraculeux doit descendre. Oh, avant de prêcher le miraculeux, il faut prêcher quelque chose que Satan ne connaît pas. Amen. Sinon, Satan peut imiter ça. Les écoles de théologie. Où est Satan? C'est les écoles de théologie. Où est Satan? C'est le grand dignitaire. Où est Satan? Il imite la guérison. Il imite toutes ces choses. Mais bénissez au nom du Seigneur. Montrez-moi une inspiration qui est cachée dans la parole. Satan ne peut pas imiter. Satan ne peut même pas croire ça. Parce qu'il ne connaît pas ça. Dieu connaît chacun de vous selon les œuvres que vous allez poser. Voilà pourquoi j'exhorte les jeunes gens de cette église. Si vous êtes identifié à cette église, changez de manière de vous habiller. Est-ce que je peux entendre un amen? Ce matin, je maudis l'esprit de Yorobo. Qui t'amène quelqu'un? Je maudis l'esprit de bâton serré. Qui t'amène quelqu'un? Je le prends, je le crois. Je le prends, je le crois. Je maudis l'esprit de l'enfantillage. Et je bénis l'esprit responsable. Les esprits responsables. Les esprits responsables. C'est les jeunes gens, mais ils sont responsables. Tout t'amène quelqu'un. Il ne veut pas jouer. Il ne joue pas dans les boîtes. Il ne joue pas avec les païens. Mais il joue avec les fils de Dieu. Ça. Les fils de Dieu sont des amusés ce matin. Le premier a commencé à jouer, c'était Jésus-Christ. La Bible dit l'agneau de gloire tournoyait. Fabien dit c'était le fils qui était en train de jouer. Il jouait à quoi? À imiter son père. Quand il jouait, quand Dieu voulait créer la terre, la Bible dit c'est par le fils que tout était créé. Quand Dieu avait une pensée, c'est le fils qui parlait. Il voulait que la lumière, alors le fils a parlé, que la lumière soit. Quand c'était Dieu une pensée. Dieu est pensé, il veut parler, mais il a besoin de bouche, il a besoin de corps, il a besoin de vases. Où sont les vases? Où sont les vases? Où sont les vases? Où sont les vases? Vous êtes les vases de la prédication, des vases, de l'expression. Votre vie, votre manière de vous habiller, même votre manière de marcher, même votre manière de vous coiffer, doit être certifié que vous n'êtes pas n'importe qui, des vases consacrés. Des vases rois. Où sont ces vases? Que le Seigneur les amène. Est-ce que vous voulez la parole? Ce matin, nous sommes dans le 11e mois. Et frère Benham dit, il y a eu beaucoup d'ouvriers. Mais Dieu est les derniers ouvriers. C'est les ouvriers de la 11e heure. La Bible parle des ouvriers de l'ancienne heure. Ils ont une identité. Laissez-moi vous donner leur identité. Il y a plus de jeunes que de personnes âgées. Les ouvriers de l'ancienne heure, beaucoup sont jeunes. Beaucoup sont jeunes. Pourquoi beaucoup sont jeunes? Pour montrer à cette génération qu'on n'est pas comme eux. C'est ici. Vous allez montrer à un niveau de fond, vous n'êtes pas de païens. Vous allez montrer frère, vous allez montrer frère, qui t'amène, sortez un peu, criez, poussez les cris de joie, vous allez changer, transformer, qui t'amène quelqu'un, vous prenez ta voix, en matière, Dieu doit descendre, frère, Dieu va te changer, frère, Dieu va te changer, les sept versets seront voyés en toi. J'ai une vision. Je commence à avoir une vision. Je vois des jeunes gens, des soeurs, en train d'aller à la maison, prendre des pantalons, plaquer, jeter ça. Tout en même quelqu'un. Je la vois, ils sont là à la coiffure, en train de se coiffer, en train de se coiffer. Pourquoi? Je suis un responsable. Je ne suis pas Yorobo. Je ne suis pas Titi à la face. Je ne suis pas un DJ. Est-ce que vous croyez ça? Le monde
Dans le monde là-bas, les gens entendent qu'ils ont 40 ans et puis se marient. 45 ans pour se marier. Mais ici, nous avons un signe. Avant 20 ans, un frère de Tanguera qui t'emmène un peu à faire. Avant 20 ans, un frère a marié une jeune fille. Ils ont trois enfants. Ils sont toujours dans la parole. Ils sont tellement dans la parole que l'année prochaine, ils auront leur troisième enfant. Ils sont jeunes. Vous n'êtes pas vieux. Vous êtes des jeunes. Vous êtes à la parole. Allez chercher le monde. Vous êtes venus les chercher. Satan, Satan, vous l'avez soufflé. Il a maintenant témoigné sur vous. Il est dans son jeune. Ils vont camper la femme. Ils vont vivre comme ils veulent. Mais ils sont descendus. Le mardi dernier, l'onction puissante. Ce matin, vous serez fidèles. Moi, mon pasteur, je serai fidèle. Mon épouse, fidèle. Sœur-reine, sœur-reine, fidèle. Toute la mariée, même celle qui ne sont pas mariées, fidèle à la parole qui t'emmène. Est-ce que vous croyez ça? Ça va prendre. Est-ce que c'est ça? Merci Seigneur pour un prophète. Merci Seigneur pour mon pasteur. Est-ce que vous croyez? Oh la sainteté, je déclare ce matin que la sainteté va entrer en vous. Soyez saint, soyez parfait, soyez saint, soyez parfait. Peu importe qui vous êtes, âgé ou jeune chant. Satan a un temps. Il y a un temps pour toutes choses. Sous les cieux. Satan a fait son temps. Dieu n'a pas encore pris le contrôle. Mais un jour dans ta vie, toi-même tu sais. Tu sais que c'est de toi qu'il s'agit. Un jour. Satan a fait beaucoup. Pendant des années, il t'a traîné dans la boue. Dans le péché. Dans le mensonge. Dans n'importe quoi. Mais un jour. Un jour. Dieu a commencé à faire un travail. Dieu a commencé. Ce jour-là, tu ne peux pas oublier que Dieu a commencé. Dieu a commencé. Les hommes du passé ne te connaissent pas. Ils connaissent ton passé. Mais à partir d'aujourd'hui, la chose grandit en toi. Les vertus montent. Les vertus montent. Je serai parfait. Tu seras parfait. Écoutez ce message. Sans occuper mes messages. Le message c'est pour le soir maintenant. Vous allez retourner dans vos vieux quartiers. Vos anciens amis. Femmes ou garçons. Et puis vous sourire. Ma chérie, ça va? Ne m'appelle pas ta chérie. Je suis une fille de Dieu. Et en plus, Marie. Ne m'appelle pas ta chérie. Je parle de vous. Quand vous faites ça, vos maris tombent en paix. Vous avez vu qu'aux États-Unis, ils tombent en paix. Parce que je vois les vieux démons qui essaient de revenir. Je vais leur barrer la route. Ils vont trouver ton numéro. Ils vont trouver ton numéro. Il y a des gens qui ont demandé de changer de numéro. Parce que c'était le commencement. Mais maintenant, ne changez pas de numéro. Attendez son appel. Ce vieux démon, il t'appelle. Il dit, ma petite. Tu dis, je ne suis pas ta petite. Je m'en bats de toi. Je vois le feu ici. Je vois le feu ici. Tout en main de guerre. Alléluia. Certains frères ici, il y a le couloir où il passe plus. Je suis votre pasteur, je sais de quoi je parle. Il y a le quartier où il passe plus. Ce n'est pas de la force. On dit fuyez les publicités. Fuyez toutes ces choses. Mais l'heure est arrivée où ils sont libres ce matin. Ils passent en même aller. Et la même Jézabel, elle dit mon coco, ton regard seulement, ça la fait reculer. Ce jour-là, quand tu vas la regarder, je me sens loin. Quand tu vas la regarder, elle sera délivrée. Tu dis non, je suis un homme marié. Je suis un fils de Dieu. Je ne suis pas ton coco. Je suis un fils de Dieu. Est-ce qu'on peut danser un peu, sauter, crier? Le Saint-Tonnerre, soit en train de faire entendre la voix. Alors les gens peuvent crier,
Il peut vous louer. Vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Vous êtes délivré. Est-ce que vous croyez? Il est midi. Il est midi. Les gens s'apprêtent à manger. Mais pour ce peuple, les hommes ne vivront pas de pain seulement, mais de la parole, de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. J'ai envie de jubiler encore, j'ai envie de couper encore. C'est pour mon âme, c'est pas pour toi, frère, c'est pas pour toi, c'est pour moi. Laisse-moi adorer, je serai parfait. Les sept fois, vous me s'entraînez à moi. Boum, boum, tout amène quelqu'un. Je peux parler la main église. La charité est en train de vous couvrir. Les vertus qui sont dans la charité doivent couler en vous. Vous serez des modèles pour cette terre. Vous serez des modèles. Des hommes modèles pour les femmes. Des femmes modèles pour les hommes. Je sais de quoi je parle. J'ai parcouru année après année, expérience après expérience. Ce matin, je déclare. Ce matin, je déclare. Tout est accompli. Vous êtes délivrés. Vous êtes libérés. My God. Ce soir, pour cette attente, tous les diables ne comprendront pas, mais les filles de Dieu comprendront. Saint Florence, tu comprendras. Maman Yao, tu comprendras. Ça, vous comprendrez ce soir. Frère, vous comprendrez. Mais le monde ne comprend pas. Pourquoi? Parce que A.E. n'a pas été donné de connaître le mystère du royaume. Que les gens disent Amen. Que ceux qui sont délivrés disent Amen. Je sens maintenant la vertu qui me manque. Je ne suis pas trop tempérant. Il y a un peu de colère en moi. C'est pas que c'est fils de diable. J'ai besoin de la tempérance. Quand le pasteur prêche, j'arrive pas trop à croire. J'ai besoin de la foi. Alléluia. Quand il trouve les malades, il n'y a pas de réponse. J'ai besoin d'une vertu. Quand j'explique la parole, les gens ne comprennent pas bien. J'ai besoin de la connaissance. Alors toutes les vertus vont entrer en vous. Chaque mercredi, chaque dimanche, alors sortez dans la rue. Vous avez vraiment mini jupe là. Vous sautez là-bas. Vous allez devant le robinet, devant le miroir, le maquillage, tout ça. Vous enlevez le mécanisme de Chisabel, vous jetez là-bas. Les boucles d'oreilles, vous jetez là-bas. Je suis esclave. Je suis esclave. Seigneur, vous êtes libre. Vous êtes libre. Vous êtes libre. I'm free today. I'm free this morning. Tout en même quelqu'un. Les jeunes gens s'en vont. Tous les patrons plaqués là, ils jettent ça là-bas. Quelqu'un dit ça même. Ils vont marcher. Cravate 500. Chemise 1000 fois. Les lundis sont sapés, mardi sapé, le dimanche, nous sommes en route pour la Jérusalem. Changez de vie, changez de marche. Quand tout le monde dit Amen, que le Seigneur dit Amen. Quand bonhomme dit, dernière citation. Les gens disent non, je m'attends à Dieu. Oui, il faut venir, on peut s'attendre à Dieu, c'est vrai. Mais il dit, si vous pouvez seulement commencer. Il dit, commencer quelque chose. Il dit, Dieu viendra pour voir la chose. C'est vrai que les gens me connaissent. Ils veulent que j'ai honte. Mais ce jour, je commence quelque chose. Qui va commencer aujourd'hui? Qui va recommencer aujourd'hui? Qui va recommencer? Ça va parfait. Je prophétise. Vous n'êtes pas encore privé, mais je prophétise. C'est parfait. C'est parfait. Pas comme les anges. C'est parfait. Pas comme les archanges. C'est parfait. Pas comme les chérubins. C'est parfait. C'est parfait. Comme le Père Céleste. Par la présence de la charité. L'amour parfait. Donnez la main au Seigneur. Est-ce que les musiciens sont prêts? Donnez la main au Seigneur. Oh yes.
ta place maintenant. Nous sommes en route pour Jérusalem. God bless you. Les gens ne voient pas le chemin, mais nous sommes au chemin. Sur la route de Jérusalem, il n'y a pas de mini-jour. Il n'y a pas de pantalon pour le cœur. Vous êtes en chemin. Sans chemin, même je vous en prie. Oh oui, nous sommes en chemin.